Bonjour, c'est Dantic, sacrilleur agi, donc full agi, avec un stuff complètement dépassé, avec un stuff de base. Donc vraiment quelque chose que n'importe quel joueur, je veux dire, à partir du 190, 192 et je veux dire 200 peut facilement s'acheter, très facilement. Donc vous allez voir, j'ai vraiment un stuff, on va dire, de merde. Et vous allez pourtant voir le sacré agi, le bourret que c'est, quand il commence à perdre de la vie, parce que plus il perd de la vie, plus il tape fort, mais vraiment très fort. Donc les stats, ben, vous voyez, bon, les stats parchetés partout. En agi, ben, j'ai 300 de base, donc 200 points de carac et 100 par champ. Donc, j'ai une INI de 2472. J'ai pas beaucoup de tacles. J'ai pas beaucoup de dommages. Voilà, 56 dommages. J'ai pas énormément de reste. Voilà, le stuff ne me permet pas d'avoir énormément de reste. Le stuff, j'ai quoi? Ben, j'ai la Freema Mulette. Bon, il y a beaucoup mieux, mais pour l'instant, je me contente de ça. J'ai l'anneau Exopm. Alias Glursom, je sais qu'il n'est pas trop pourri. D'un classé, Dofus pourpre, le Dococo, j'aurais pu très bien mettre, pourquoi pas l'argenté, on va mettre l'argenté, ouais, on va le charger. Le Miraculé à 320 Vita, l'Ocre, le Cascadeur Majeur Saragi et le Dolmanax. Alors au niveau de la coiffe, ben, c'est la couronne Alistair toute simple, qui n'est même pas âgé parfait. La cape nécrotique, bon, j'aurais pu mettre autre chose, mais je les ai surtout pris pour les dommages, et les 10% de résistance feu. L'ancienne ceinture Asboulaire, les pantoufles Lemar, et l'ADD, vous voyez, 300 Vita, 70 AG, 50 puissance, donc c'est pas un stuff vraiment... C'est pas la blade du stuff, c'est pas la blade du stuff. Mais vous allez quand même voir que ça fait énormément de dégâts. Je ne gagne pas tous les colis, mais je gagne quand même pas mal avec un stuff qui reste de base. Donc ici, on va simplement faire un petit entraînement VS un Doppel. Voilà, c'est parti. Donc les RS, vous les avez vus, c'est pas un miracle. Donc je vais me booster, boum, je perds 444 de vie, je vais mettre Berserk, et je vais commencer à tanker, tout doucement, voilà. Lui va mettre ses dégâts, il reprend sa vie, donc je suis à 76% de Vita, je reviens ici, je vais faire coagulation, je vais me booster et je vais frapper. Boum, 861, c'est pas énorme. On va se recharger histoire de perdre un peu de la life. On recommence. Boum, et regardez, plus on perd de la vie et plus on frappe fort. Donc je vais laisser passer mon tour. On va le laisser frapper. Voilà, boum. Je vais me rebooster. Ah ouais, 39 élevés, ça n'aurait servi à rien. Voilà. C'est tout simplement pour vous montrer que un saké avec un stock de merde en hydrogie, même où ça peut faire très très mal. Donc je vais mettre la vidéo en pause, je vais essayer de trouver un groupe de monstres, de mobs avec des résistances agi et je reprends. Donc nous revoilà avec notre famille Sacri. Donc j'ai repris un petit peu de la life, le temps de trouver des mobs. Donc je suis toujours avec le même stuff, j'ai rien changé pour pas tricher. Et je vais prendre ce groupe, on va regarder dans le bestiaire. Alors le Bouffemout, il fait 45 à 53 résistance R, de 15 à 19.
Ops. Ouais. Il y a juste que celui-ci qui est en faiblesse agit. Mais bon, on va quand même le prendre. Je récupère pas ma life. Je reste comme je suis. Je vais juste me mettre ici. Et malgré que le bouton mode, lui, va me liguer au niveau de l'agilité, puisque ce sont au but, c'est de me retirer de l'agilité. Vous allez voir que ça tape extrêmement bien. Alors, on va simplement faire un petit truc ici. On va le taper. Donc, du 763 sur du 1500 de res. On va venir se mettre là, histoire de se faire un petit peu châtier par les mobs. Boom. Voilà, 58 dommages. Alors, je vais faire le Berserk. Tac. Je vais me booster. Boom. Vous avez vu ma live descend. Et je vais commencer à talker. Bam. 1025 sur du 16%. Voilà, donc la vita descend. Continue à descendre, je châtie et je continue à frapper. Boum, 975. Oh, on va peut-être faire une fulgurante. Voilà, petite fulgurante histoire de changer un peu de tactique. 550. Vous voyez, plus vous descendez en live, là je suis mis live, et puis ça fait mal. Non, j'aurais pu faire cette vidéo en colis, mais moi je suis pas un pro du colis, donc et puis il y a assez de vidéos niveau colis pour vous montrer un petit peu quoi, et comme moi je suis plus un PVM qu'un PVPiste, donc on va un petit peu le 47%, ah ben oui, tiens, on va un petit peu le taper celui-là. Bon, vous voyez, 880, c'est pas mal sur du 40, 47%, c'est pas mal du tout. Et plus vous allez descendre mi life, et pire ça va être. Ici, j'ai peut-être dit, je ne sais pas, parce qu'au lieu de PDV 1557, donc ça, c'est pas trop grave. Oh, ouais, pourquoi pas, on essaierait bien sûr la désolation. Voilà, boum. On va très bien le refaire sur l'autre. Boum, 441, je reprends plus de life. Et je relance la mutilation. Donc, 200 de puissance. On va recharger Karma. Je crois que je ne sais plus charger. Non, je ne sais plus charger. Donc, on va recharger Karma. Voilà. Donc, comme lui me retire de l'agilité, donc je suis taclé. Donc, je vais le tanker. Boom, 1355, mais c'est normal puisque il est en moins 38 de res agi. C'est tout à fait normal. Moins 50 résistance, donc je fais quoi ça? Oui. On va se booster un petit peu. On va recharger coagulation et on va tanker celui-ci. Boum. On va rester là puisque je suis taclé. Et je ne pense pas être. Vous voyez, moins 200 agi. Donc ce qui me fait au total 529. Alors que je suis beaucoup plus haut que ça. On va se rechâtier. Bon, évidemment, c'est un. C'est une faiblesse agile, donc ça ne va pas être le problème. Et voilà, boum. Donc, pour vous montrer que, voilà, 1700 DIAM, évidemment, sur la faiblesse agile. Ah tiens, bien pour vous montrer que, même avec un stuff de base, le Sacrieur reste une classe qui est cheatée. Je joue Sacrieur depuis de nombreuses années, mais là, il serait peut-être temps un petit peu de réduire, un tout petit peu, parce que
Je ne vais pas dire que c'est du n'importe quoi, mais ça tape puissant. Alors, quand vous avez des stuffs qui sont beaucoup plus hauts que le mien, des stuffs qui coûtent la blinde, et que vous commencez à monter à des. Moi, je suis à 56 dommages R, et que vous montez à des 105, 114, et j'en ai vu certains à 140 dommages R, là, je vous assure que ça fait très, très, mais très, très mal. Voilà, c'est une petite vidéo comme ça. Quand je serai avec un stuff beaucoup plus sur la pointe et en exo, je ferai peut-être une vidéo en colis. À bientôt, Dantique.